Je m'appelle Thomas Ganti, j'ai 26 ans. Je travaille partiellement à la Lonza et puis j'effectue le master à mi-temps en Master of Life Science. C'est la continuité du bachelor, c'est pas vraiment approfondir la science, c'est regarder ce qui entoure la science. Et puis ça, pour moi, c'est le métier d'ingénieur. J'aime savoir comment ça marche, continuer à chercher et puis de trouver certaines solutions à des problèmes qui nous sont posés. On arrive en industrie et puis c'est complètement différent parce que là on a un aspect financier qui est très important. Donc il faut que ce qu'on propose comme résultat, à la fin, soit économiquement viable. Je travaille dans le laboratoire de contrôle qualité à la Lonza. Je travaille avec des résonances magnétiques nucléaires. Donc pour l'instant, lorsqu'on a des résultats de résonance magnétique nucléaire, tout est traité manuellement. Et moi en fait, ce que je fais, c'est que j'automatise les mesures. Donc toute l'interprétation des spectres se fera automatiquement. Donc une personne du 3-8 qui travaille la nuit n'a plus besoin d'attendre le lendemain pour savoir si sa cuve de réaction est terminée ou pas. Le master à mi-temps, ça fait voyager pas mal. Dépendamment des cours, on peut être dans des petites classes, quand c'est les cours à Sion, bah, on est 12. Puis après, bah, dès qu'on est dans les autres écoles où il y a toutes les HES qui sont regroupées, on est 60 à 120. On part un peu à l'aventure, quoi. Pour les cours, on est tous partagés, ça dépend de nos affinités. Donc ce master-là nous laisse encore différents modules à choix, où on peut encore moduler là-dessus et puis choisir différents cours. Tous les cours sont en anglais, donc ça demande une concentration un peu plus importante que quand on a tous les cours en français. Un module peut durer une semaine complète, puis on commence le lundi, on a l'examen le vendredi, ou bien pendant 3 semaines, on a 2 jours par semaine et puis on a l'examen à la fin. Donc il faut savoir s'adapter. Maintenant, je suis quasiment à ma charge, donc mes parents ne m'aident plus, donc il fallait un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. On arrive très bien à gérer ces deux activités en même temps, le côté scolaire et puis le côté travail. Après, ça demande un peu d'organisation. Être ingénieur, c'est pas juste rester au labo et puis faire une méthode. Il y a aussi tout le reste derrière, c'est l'analyse des cours. Après, on peut devenir chef d'équipe. Puis ce master, en fait, c'est... On gratte la surface de, par exemple, la législation, ce qu'on a le droit de faire, enfin, et puis plein de concepts qui sont assez importants, je trouve. Puis même si ce n'est que le survoler, on sait que ça existe et puis on sait où les trouver après. Mi-temps emploi, mi-temps école, on a déjà un pied dans l'industrie, on se fait connaître, on se fait des contacts. Je pense que c'est la meilleure combinaison pour faire le master HES.